Donc, petite vidéo pour expliquer comment tu vas faire une planche qui contient plusieurs fois la même photo et garder ce preset. Donc, impression, là j'ai quelque chose de vide. Donc, je suis bien en collection d'images, d'accord? Et dans ma collection d'images, c'est les photos sélectionnées. Donc, c'est bon. Ça va être la photo les sélectionnées. Ici, tu peux ajouter à la collection des cellules. Donc, je vais en rajouter 4, imaginons. D'accord? Ensuite, en drag and drop, tu peux, donc comme tu as vu, les changer un peu comme tu veux. Voilà, on peut faire. Là, on va mettre une plus petite. Là, on va mettre une plus grande. Allez, c'est pas bien important. De toute façon, voilà, tu as fait ton truc à toi. Voilà. Une fois que tu as fait ça, ce que tu veux, c'est sauver le boulot. Donc en fait, là, sur l'autre côté, tu vois, tu as aperçu et tu as explorateur de modèle. Donc tu vas faire plus ici. On va appeler ça test pour pose partage et je vais le mettre dans modèle utilisateur parce que j'ai aussi, je peux faire un nouveau dossier. Si je veux, je peux en mettre autant que je veux. Créer, d'accord? Donc maintenant, si je vais dans modèle utilisateur, j'ai test pour pose partage, tu vois, qui a pris tout ce que j'avais là. Si je fais un changement sur ce modèle, donc je vais par exemple cliquer cette vignette, je vais en mettre une autre ici, voilà, différente, et celle-là, hop, voilà, j'ai changé le modèle. Il suffit que tu ailles ici sur Test pour pose partage, que tu fasses un clic droit, et là tu auras mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc voilà, ça sera mis à jour. Maintenant, je vais tester en prenant une autre photo. Ben, en prenant une autre photo, ça marche, hein. Donc j'ai réussi à faire quelque chose qui marche bien. Alors, pour le vérifier, pour être sûr, je vais mettre un modèle Lightroom, hein, cellule 2x2, voilà, donc ça c'est le modèle Lightroom. Maintenant, je vais revenir à mon modèle à moi, test pour post-partage, j'ai bien le modèle que j'avais sauvé. Voilà, ça marche, amuse-toi bien.